Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Aujourd'hui, nous recevons M. Augustin Kapila. Je vous rappelle qu'il est le communicateur de l'IDP au Nord Kivu. Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour cher ami, bonjour aussi à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Plusieurs questions d'actualité que nous allons analyser ensemble tout au long de cet entretien. Mais commençons par cette question, d'ailleurs c'est celle qui est au centre de cet entretien. Négocier avec le M23, il est hors de question de négocier avec un mouvement terroriste, réplique le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Si nous sommes déjà en train de négocier avec les Rwandais, pourquoi on perdrait l'État avec le M23? Ça, c'est Muyaya lors de sa communication, lors de sa, disons, de face à face avec les journalistes hier à Kinshasa. Augustin Kapila, vous êtes au pouvoir, parti présidentiel, l'IDPS, comment vous analysez ces propos? Nous avions été très contents, moi d'abord personnellement, quand j'ai suivi le porte-parole du gouvernement, son speech, j'ai été très content. Parce qu'il n'en est pas question aujourd'hui de négocier ou de parler avec le M23, étant donné que nous l'avons déjà qualifié d'un mouvement terroriste. Donc il serait impossible de s'asseoir autour d'une même table et parler avec un mouvement terroriste. Et bien évidemment, le M23 n'est pas un interlocuteur valable qu'on peut discuter avec. Et donc, comme c'est une question que la RDC a pris vraiment en considération, et nous avons toujours fustigé les comportements du Rwanda, parce que pour nous, Bunagana est occupé par l'armée rwandaise, donc on ne peut plus parler du M23. Et raison pour laquelle, au lieu de perdre le temps à parler avec un mouvement terroriste, c'est aussi une façon de leur donner du pouvoir et de l'importance pour rien. Et raison pour laquelle le gouvernement congolais a préféré mettre, n'est-ce pas, à l'avant-plan la diplomatie. Voilà pourquoi il a parlé des relations diplomatiques. Et nous allons tout simplement parler, bien évidemment, avec le pays voisin qui nous agresse. Mais le pays voisin, vous savez, Kigali a toujours démenti cela et du coup, Bunagana, toujours occupé par le M23. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est toujours prudent d'engager des discussions avec le M23? Alors, vous savez, bon, les statu quo que nous observons pendant tout ce temps ici, c'est vrai que Bunagana est toujours entre les mains de l'armée rwandaise, disons, pour M23, de l'occupation rwandaise. Mais nous disons tout simplement que, quand bien même que nous avons mis en première position l'aspect diplomatique, mais nous n'allons pas aussi exclure l'aspect militaire. Donc les militaires sont déjà dans leur position comme toujours et nous avons pensé, non, le gouvernement plutôt, a pensé peut-être qu'il fallait d'abord privilégier la voie diplomatique comme c'est le Rwanda qui est l'acteur principal de cette agression et c'est un pays voisin. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement a essayer un peu de privilégier la voie diplomatique. Ce n'est pas à dire que nous sommes faibles parce que nous demandons une voie diplomatique, pas du tout. Donc nous sommes des pays voisins et nous ne pouvons que rester pays voisins éternellement. Et raison pour laquelle l'aspect diplomatique, c'est le premier aspect. Mais cela n'explique pas aussi que nous puissions mettre en place nos forces armées pour, n'est-ce pas, à découdre une fois pour toutes. Est-ce qu'aujourd'hui, en suivant la communication de Muyaya, on peut dire que la RDC serait dans une position de faiblesse parce que nous tendons vers un dialogue entre le président Tshisekedi et le président Kagame pour que Bunagana soit libéré? Non, le gouvernement n'est pas faible, la RDC n'est pas faible non plus. Vous savez, dans les relations internationales, l'aspect diplomatique, c'est une voie prioritaire d'abord. Et si cette voie persiste à échouer à ce moment-là, on peut, n'est-ce pas, recourir à l'aspect militaire. Mais toutefois, nos forces armées sont mieux placées pour, n'est-ce pas, en découdre une fois pour toutes. Et donc,
Le phare de ce fonds en découdre une fois pour toutes, avec quels moyens, monsieur Augustin? Non, nous avons des moyens, que personne ne vous trompe. Nous avons une armée qui est très forte, très disciplinée. Vous parlez de quelle armée? Et l'armée congolaise. Avec quelle logistique? Nous avons des logistiques. Si aujourd'hui notre armée était faible, je vous dis avec la main au cœur que ces mouvements terroristes seraient déjà dans la ville de Goma, parce qu'ils visaient à occuper la ville de Goma afin qu'on puisse s'asseoir avec eux. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont coincés dans un petit millier. Et donc pour nous, c'est une force que nos forces armées sont en train de démontrer. Vous savez, dans l'ancien régime, lorsque nous avions été envahis, vous me parlez de quel régime? Le régime Kabila à l'époque. Mm-hmm. L'M23 a envahi la ville de Goma en 2012. Donc c'était par d'abord la faiblesse du régime en place, et aussi, pas la faiblesse, mais la trahison à haut niveau. Aujourd'hui, sous Fatih, ça ne va pas se répéter. Cela avait permis à ce que l'M23 puisse occuper la ville de Goma. Mais aujourd'hui, avec la réforme que le chef de l'État est en train de faire dans l'armée, avec toutes les nominations que nous voyons ça et là, donc c'est-à-dire nous sommes en train de nous préparer petit à petit. Et aujourd'hui, les terroristes qui sont soutenus par l'armée rwandaise n'ont plus la force. Raison pour laquelle ils sont coincés coincés dans la cité de Bunagana. Donc, dans ces petits aspects-là, nous pouvons, n'est-ce pas, applaudir et dire merci à nos forces armées, parce qu'ils ont tenu, ils ont résisté. Vous savez, résister devant un pays comme le Rwanda, qui n'est pas d'ailleurs seul. Il faut le souligner. Il n'est pas seul. Le Rwanda est soutenu par les multinationales. Ça, il faut le savoir. Donc, par rapport à tout ce que le Nord Kivu regorge comme minerai, comme tout et tout, comme nous avons ici, tout ce que nous avons ici, donc le Rwanda n'est qu'un petit policier qui est envoyé par, n'est-ce pas, les multinationales pour envahir l'Est de la République. Et à ce stade-là, nous devons quand même soutenir nos forces armées, parce qu'ils résistent non seulement devant les Rwandais, mais aussi devant les multinationales. Oui. Sinon, ces mouvements seraient déjà dans la ville de Goma. Et nous pouvons applaudir nos forces armées. Merci beaucoup, Augustin Kapiela. Je rappelle que vous êtes le communicateur de l'IDPS au Nord Kivu. Parlons aussi de cette actualité. Il faut le rappeler, nous avons suivi une ordonnance du chef de l'État qui a été, donc, une ordonnance présidentielle. Le lieutenant général Mbangu Machita Marcelet, nommé commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo. Il remplace à ce poste le général Philemon Yave, arrêté depuis quelques jours à Kinshasa. Marcelet, on l'a vu, un couvoyant militaire et combattant. Il faut rappeler qu'il a été même à Beni dans les opérations Sokola 1. C'est un homme qui a mis mal à l'aise les ADF. Comment vous, personnellement, vous avez appris cela? Mais nous avions appris cela avec satisfaction, parce que nous sommes en train de chercher la paix, et la paix ne peut provenir que de nos forces armées. Et aujourd'hui, si le président de la République a pris cette responsabilité de pouvoir changer à certains commandants dans des zones opérationnelles, c'est avec raison, parce qu'il a compris au fait que cette armée était infiltrée partout, même dans des opérations. Vous savez, même l'arrestation du général Yave nous dit beaucoup de choses. Et les chefs de l'État ne pouvaient que toucher partout et changer, n'est-ce pas, les commandants des opérations, pour qu'afin que nos forces armées puissent faire un travail d'une manière paisible, parce que là, il n'y aura plus de traîtres. Nous n'aurons plus à parler de la trahison, parce que tous les traîtres sont en train d'être arrêtés et mis à Makala. Et le changement aujourd'hui pour nous, peuple congolais, ça nous donne quand même de l'espoir que cette fois ici, nous aurons des commandants qui vont occuper les zones opérationnelles, qui non seulement ce sont des compatriotes congolais, mais aussi ce sont des militaires avérés qui connaissent pourquoi ils doivent faire leur travail pour afin redonner la paix, n'est-ce pas, à toute la population du Nord Kivu. L'appareil sécuritaire changé par le président Tshisekedi, quel message que le commandant suprême veut lancer à tous les groupes armés ou bien à tous ces agresseurs selon vous? C'est un signal fort de la part du président de la République. Il avait déjà lancé un appel à tous les groupes armés de déposer les armes et de se retrouver autour d'une même table et parler. Là, il a lancé appel, n'est-ce pas, aux groupes armés locaux. C'est là qui se considère étant des Congolais. Donc ça ne sert à rien de rester dans la brousse en train de
de tuer vos propres frères, vos propres frères, sœurs et mères, alors ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Raison pour laquelle les changements ici sur l'appareil sécurité, c'est un signal fort que le chef de l'État a lancé à tous les groupes armés, parce qu'il avait déjà lancé appel qu'ils viennent, et comme ils ne veulent pas venir, à mon humble avis, en tout cas, c'est une préparation que le chef de l'État a déjà donnée à tous les commandants qui se trouvent dans des zones opérationnelles pour lancer maintenant une offensive finale afin que tout ce que nous sommes en train de connaître comme hostilité et autres puisse prendre fin. Alors, il faut dire que depuis le 17 juillet 2020, le général Mbangu Mashita était commandant de la 21e région militaire du Grand Kasaï, la Prisma Bujimaï. Répété en d'itéré, dans ses nouvelles fonctions, il va faire face en tout cas à plusieurs groupes armés, dont les ADF, les M23, les CODECO ainsi que d'autres groupes Mai Mai. En interrogeant un peu l'histoire et le commandement du général Marcelin, on a vu ce militaire aussi qui a raté plusieurs embuscades à Beni quand il était encore commandant des opérations Sokola 1 au niveau de Beni. Selon vous, quels sont les défis qui attendent ce général, ce vaillant militaire, et surtout qu'il vient dans un moment où l'Est du Congo est mobilisé pour recourir à la paix et à la sécurité? Vous savez, lui d'abord, pour avoir été à Beni, il connaît bien le milieu, il peut, n'est-ce pas, étudier tous les milieux qu'il connaît déjà. À mon humble avis, il y a des défis majeurs qui l'attendent, n'est-ce pas, pour mettre fin à tous les groupes armés, et surtout les ADF, qui se constituent à un mouvement de terroristes, comme l'M23 aussi. Je crois que ce sont les défis majeurs auxquels le général fera face, mais nous lui donnons du courage, nous faisons confiance en lui, et ce n'est pas pour rien que le président de la République lui a donné cette responsabilité, parce qu'il les connaît, un homme du terrain, un brave soldat, un brave militaire. À mon humble avis, il fera quelque chose de bon. Remplacé par le général Christian Tshiwewe, le général Célestin Mbala, mis à retraite, qu'est-ce qui vous rappelle ce général? Parce qu'on a vu un chef d'état-major général aussi à tout moment sur le terrain, avec les militaires aussi au nord qui vous, comme un Ituri, ça vous dit quoi? Bien qu'il parte en retraite, bien sûr. Oui, nous saluons d'abord sa bravoure, sa détermination. Quand il fut le chef d'état-major général des armées, aujourd'hui en retraite, nous saluons sa bravoure, sa façon de travailler. Il a travaillé, il a donné ce qu'il pouvait donner aux Congolais, il l'a fait. Mais bien malheureusement, il a été entouré par certains officiers, des traîtres, des malhonnêtes, des mauvais citoyens, des mauvais compatriotes, qui n'ont pas aidé, n'est-ce pas, ce général à atteindre son objectif. Et je crois son remplacement par le général Christian Tshiwewe, avec toute son nouvelle équipe, à mon humble avis, cette équipe fera un travail, non seulement comme la justice militaire commence déjà à mettre de côté tous les officiers traîtres, et laisser, n'est-ce pas, le terrain aux officiers compétents, aux officiers congolais, aux officiers compatriotes qui ont vraiment les soucis et l'amour du pays, à mon humble avis, ils feront le travail et ils vont redonner la paix, n'est-ce pas, à toute la population de l'Est de la République. L'homme qui ne cessait de vanter en tout cas l'état de siège et les avancées de l'état de siège, on l'a vu d'ailleurs récemment dans sa sortie médiatique et à travers une interview exclusive accordée à la RFI. Nous avons suivi le général Sylvain Ekenge, inventé encore une fois de plus, par rapport aux avancées de l'état de siège, en parlant des recettes avancées. Aujourd'hui, il est nommé en tout cas commandant du service de communication et d'information des FARDC, CIFAN. Il remplace à ce poste le général Kasonga. En suivant les communications du général, parce qu'il faut rappeler qu'il était le porte-parole du gouverneur militaire ici au Nord Kivu. Comment vous cotez ces communications? Bon, vous savez, d'abord, lui, c'est un militaire et porte-parole du gouverneur. Oui. Qui est militaire aussi. Oui. Il ne pouvait que défendre l'état de siège.
hein, instauré par le président de la République. Mm-hmm. Et donc l'état de siège a été instauré pour mettre fin à tous les groupes armés et mm-hmm. redonner la paix mm-hmm. et la sécurité dans cette partie de la République. Alors ces communications, il n'était que dans son bain, mm-hmm. il a fait son travail convenablement, mm-hmm. il communiquait pour le gouverneur, il communiquait pour l'état de siège, il défendait l'état de siège, tous les bienfaits de l'état de siège. Il donnait, en tout cas, il a donné sa communication d'une manière parfaite. Mm-hmm. Alors, du point de vue administration, mm-hmm. au niveau du gouvernorat, le général Sylvain Ekenge, mm-hmm. du point de vue administration au niveau du gouvernorat, il a fait bien son travail en communiquant comme il devait le faire. Alors, du point de vue sécuritaire, c'est là où ça posait un petit couac, des petits soucis, mm-hmm. parce que des fois, il donnait des communications qui ne contredit pas les porte-parole au niveau du gouvernement, au niveau national. Oui. C'est là que ça donnait des petits couacs, mais à mon avis, d'emblée, il a fait son travail mm-hmm. par rapport à l'état de siège et par rapport à celui pour qui il faisait son travail. D'accord. Voilà. Alors, finissons par cette actualité, monsieur Augustin. C'est toujours d'actualité parce qu'il faut dire que le procès va reprendre demain. Deux officiers des FARDC comparaissent depuis quelques jours devant la cour militaire du Nord Kivu. Ils sont poursuivis pour leur responsabilité dans la chute de la cité de Bunagana entre les mains des rebelles du M23. Il s'agit des colonels Désiré et Jean-Marie, respectivement commandants des régiments. Voilà. Ils sont poursuivis pour 4 chefs d'accusation. La fuite devant l'ennemi M23, l'abandon des armes et munitions, violation des consignes et détournement des derniers publics. Il faut préciser qu'au cours de l'audience du mercredi dernier, les avocats des prévenus ont sollicité une liberté provisoire pour des raisons de santé. Tous ces deux officiers militaires seraient sérieusement malades selon un rapport médical cité par leurs avocats. Mais selon le ministère public, ces deux officiers risquent en tout cas une condamnation. Mais peu avant, il faut préciser qu'il y a une audio qui a fuité sur les réseaux sociaux, qui a suscité en tout cas des réactions. En suivant ces dossiers, ça vous dit quoi? Parce que vous êtes au pouvoir, vous êtes un parti présidentiel également, et vous suivez de près tout ce qui se passe dans cette province, parce qu'il faut préciser, vous êtes les oreilles du président Tshisekedi, qui est bien sûr le commandant suprême. Un dossier à la justice, parce qu'il y a des officiers qu'on accuse d'avoir abandonné, et du coup, il y a l'ennemi qui a récupéré la cité de Bunagana. Comment vous analysez ça? Vous savez, d'abord, en écoutant ces procès, mm-hmm. ça fait mal aux Congolais, et ce n'est pas digne des officiers militaires comme ça qui sont dans l'armée congolaise et qui se donnent le kilo de trahir leur pays. C'est grave. Jusqu'à là, le procès est en cours. C'est trop grave. Bien, le procès est en cours. Mais c'est trop grave. Et moi, je demanderais si réellement ils ont abandonné et ils ont facilité, n'est-ce pas, la tâche. Si ça avère vrai, ils ont facilité la tâche au mouvement terroriste d'occuper la cité de Bunagana. Et ils peuvent être condamnés. Parce que c'est une haute trahison. C'est une autre raison. Voilà pourquoi nous disons toujours, nous qui sommes au Nord Kivu, nous avons toujours l'habitude de dire que les Rwandais ou soit un groupe armé ne peut pas prendre les décisions sur nos forces armées. Ils les prennent toujours par trahison, nos propres militaires qui trahissent, n'est-ce pas, leur propre armée afin de donner les couloirs ouverts. Nous n'avons pas de logistique parce qu'on est sous l'embargo dans la ville. Et donc, ce n'est pas question d'être sous l'embargo. Mm-hmm. Parce qu'on vous dit qu'ils ont abandonné les munitions, ils ont abandonné les armes, ils ont fui mm-hmm. pour laisser les couloirs aux ennemis d'entrer dans d'occuper la cité de Bunagana. Et on serait aussi surpris d'entendre un jour ces gens sont arrivés dans la ville de Goma. Donc ça serait toujours par les mêmes méthodes. Raison pour laquelle ce sont des officiers qui collaboraient toujours avec l'armée rwandaise. Donc ils se mettaient toujours en contact avec les officiers rwandais pour permettre à ce que ces mouvements terroristes puissent occuper même la ville de Goma afin de négocier proprement avec eux. Bien évidemment, Dieu ne dort pas.
ils ont été tous dénichés et aujourd'hui ils comparaissent. Et pour moi, ils ne peuvent qu'être condamnés. Bon, nous attendons les derniers mots de la justice. Alors finissons par cette actualité. Le président de la République Tshisekedi va s'exprimer aujourd'hui mardi à Africa Somme de Financial Times à Londres sur l'investissement en Afrique et en RDC. Le chef de l'État congolais est l'invité d'honneur et principal orateur à ce forum. Ce sommet londonien, premier d'Europe et troisième au monde après New York et Hong Kong, rapporte l'agence congolaise de presse, et les rendez-vous annuels des investisseurs intéressés en Afrique. Il faut préciser, en tout cas, le président Tshisekedi va s'exprimer tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez, Sir? Parce qu'il va bien sûr s'exprimer autour de l'investissement en Afrique et en RDC. Ah oui, comme vous savez, le chef de l'État congolais, comme toujours, surtout pendant la campagne électorale, il a promis aux Congolais qu'il devait amener des investisseurs. Ils ne sont toujours pas là. Congo pour essayer un peu de diminuer les. Où sont ces investisseurs, monsieur Kapila? Pour faire développer notre pays. Les officiers viendront, ne vous en faites pas. Lui, mais il est fait mandat bientôt. Hein? Fait mandat, mais il aura encore un autre mandat. Qui il aura ça où devant lui. Les Congolais feront confiance et ils vont. Quel Congolais que vous parlez? Ils lui donneront encore un second mandat pour enfin, n'est-ce pas, arriver au moins à conclure. Mais les Congolais ne sont plus avec lui. Comme compromise. Non, pas du tout. Ne vous en faites pas. Y compris vous, ne vous en faites pas. Il ne faut pas suivre ce que des mauvaises langues parlent, ce qu'ils disent. Mais nous pensons à notre avis. Nous sommes très sereins, nous sommes très calmes. Et le président de la République, très cool qu'il est, aimé par tous les peuples congolais. Quel peuple congolais, monsieur? À mon humble avis, ils vont lui donner un second mandat pour afin mettre en place tout son objectif et redresser ses pays. C'est parce que vous savez, 5 ans, il a fait 5 ans. Oui, nous avons vu quand même pendant les 5 ans, mm-hmm. il a fait des choses qu'on ne peut pas refuser. Comme quoi, entre autres, vous voulez parler de la gratuité? Et non seulement la gratuité de l'enseignement des bases, mais il y a aussi d'autres histoires que le chef de l'État a fait pendant 5 ans que les autres n'ont pas réussi à faire pendant 20 ans. Selon l'opposition, si le plan sécuritaire, c'est chaos. Ça, c'est une histoire à saluer. Ah non, vous savez, d'abord, cette opposition que nous avons aujourd'hui, c'est une opposition farfelue, une opposition fallacieuse qui, au regard de la politique que nous avons aujourd'hui, elle est vraiment aux abois, inefficace, inexistante même. Et voilà pourquoi, d'emblée, elle a déjà peur pour affronter les élections que nous avons. Vous voulez parler de qui? Je parle de tous ceux-là qui se disent opposants, tous ceux-là qui font semblant. Il fait peur aujourd'hui, Kapila. Oh non, pas du tout. Celui-là est déjà fini. Vous voulez parler de Katumbi? Celui-là est déjà fini. On ne peut pas parler de lui. Katumbi ne pèse rien. Il ne représente. C'est pourquoi il y a débauchage de ses députés. Devant le président Fatshi. On parle de débauchage de ses députés, monsieur Kapila. Non, aujourd'hui il avait des députés dans l'Union sacrée. Si déjà vous n'arrivez pas à faire. Si vos députés et même n'arrive pas à faire confiance en vous-même, c'est-à-dire vous êtes nul. Voilà pourquoi il les quitte. Voilà. Pourquoi dit aujourd'hui que le président Tshisekedi a peur de Katumbi? Oh non, non, non. C'est quelqu'un qui ne pèse rien, qui ne représente donc merci, rien. Katia. Donc nous avons en face de nous ce qu'il faut que la politique de la fourberie qui trompe les Congolais tout au long de la journée. Mais en réalité, ils ne connaissent rien de la politique. Merci beaucoup, Guiste Kapila. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Mais un mot par rapport à cette nomination, à cette ordonnance du chef de l'État qui, surtout non, mais en tout cas, le général Marcelet, comme aujourd'hui devient le patron, bien sûr, de la zone, troisième zone de défense. Un dernier mot, et quels sont les messages d'encouragement à ces vaillants militaires, en tout cas, qu'on a vu. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec lui dans des opérations à Beni, où on a vu, en tout cas, il a mis mal les ADF. Un mot pour finir avec cet entretien. C'est un militaire dynamique, un militaire déterminé à bien faire son travail. Et nous ne pouvons que lui demander d'être serein et d'entrer vraiment dans le bain du travail, qu'il ne suive pas ceux qui ont trahi la République. C'est un homme du terrain, il connaît bien les milliers pour avoir été là-bas. Mm-hmm. Je crois, à mon humble avis, c'est aux Congolais, n'est-ce pas, de faire confiance en ces voyants militaires afin que la paix règne partout, non seulement à Beni, à Butembo, et dans toute la province du Nord Kivu et dans l'Est de la République. Merci, mesdames et messieurs. Fait de cet entretien, mais comme à l'accoutumée, on va se quitter par les contacts, comme d'habitude. Oui, mon numéro, c'est 09 91 74 10 82.
Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Vous l'avez aimé. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Parce que les prochains rendez-vous, disons, les prochains numéros, c'est tout à l'heure, dans les heures qui suivent. Merci, Augustin Kapila. Je rappelle que vous êtes les communicateurs de l'IDPS au Nord Kivu. Parti présidentiel et parti au pouvoir. C'est ça. C'est moi qui vous remercie davantage. Merci. Merci beaucoup.